Et c'est parti, la tradition l'oblige maintenant, vous savez comment ça se passe les amis, c'est de casser le tambour en deux, bon sang, bonsoir. Ok, hey, coucou YouTube, Spifarm24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout que vous pétez la forme, parce que la santé, c'est avant tout les amis, maintenant vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de cette aventure sur le jeu de Ark Ascended pour le 39e épisode. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à vous remercier du fond du cœur, de votre encouragement et de votre soutien durant cette aventure sur ma chaîne YouTube, cela me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous tous, à tous ceux qui jouent le jeu, grâce à vous les amis en avance, et cela me fait extrêmement plaisir. Dans cet épisode-là, les amis, donc pour le 39e épisode, on va affronter le boss, c'est-à-dire le Megapithecus. On va le faire en bêta et en alpha, les amis. Je vous rappelle qu'on l'avait déjà fait en gamma dans un épisode précédent. Et maintenant, on le fait en bêta et en alpha. Comme ça, on va pouvoir avancer tranquillement et surtout récupérer les trophées et également les éléments. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Bon, du coup... Oui. Il faut le récapitulatif de tout ce qu'il nous faut pour Yaba. Ailleurs, oui. Poupouille, je t'écoute. Oui, écoute-moi bien. Oui. Alors, Megapithec en bêta. Fait du saucisson. Du saucisson sec. Il faut être minimum 65 en level. Oui. Donc c'est bon. Un artefact de la bête. Les artefacts, c'est bon, ils sont là-bas. Ils sont tous là-bas, c'est bon? Bah, je crois. Hein. Oui. Vous avez ramené, hein. Oui. 5 toxines de Megalania. C'est beau. Donc ça fait 15 en tout, parce qu'il en faut 10 pour l'alpha. Avec l'alpha. Oui. 15 dents de Mégalodon. Oui. 15 crêtes de Spinosaure. C'est toi qui dis ça? Non, il est sur l'armoire. C'est beau. 15 griffes de Térizinosaure. Térizinosaure. Puis ça fait 11, 12, 13, 14 et de 15. Et 15 griffes de Tilacoléo. Les griffes de Tilacoléo, il me semble qu'on les avait laissées là-bas. D'accord. C'est même sûr, ouais. On les avait laissées là-bas. Ouais, je me rappelle que je les avais glissées. Tu vois, et pour l'alpha pareil, hein? Y a pas un truc en plus pour l'alpha? Non. Oh, ok. Non, mais c'est bon. C'est fermé. Tu t'es enfermé dehors. C'est ouvert. <T'es> ouvert. Ça farmait. Je vais chercher ma... Oh. Je vais chercher ma tenue pour le front, on sait jamais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je prévois quand même, on sait jamais. Pas de surprise. Tu prends une complète ou... Ouais, je prends une complète, j'ai pas envie d'avoir de surprise. Faut que ça se passe bien dès le début. Voilà. Ouais, bon, j'ai deux trucs mythiques, je devrais aller. Tac. Mais c'est ça, hein. Ça a pris tous les dinos. Sur moi. Ils sont sur toi? Oui. J'ai pris une bolasse pour bolasser. C'est une potion avec tous ces dinos qui te hurlent aux oreilles. Ils sont sur moi. Vache, ouais, c'est bon, j'avais bien compris la deuxième fois, mais c'est horrible. Hein. Oh là là, mais ferme-la. Attention. J'ai pris une bolasse, je vais te bolasser le singe, d'accord? Oui, d'accord, allez. Oui, bien sûr. Prends des fléchettes aussi, on va le tamer. Oui, on va le tamer aussi. Ouais, on en avait largement assez. Ouais, c'est bien ça, tout était ici après le reste. Il y a pas aimé qui vienne. Bah non, il aime pas me passer devant. Oh mince, j'ai activé. Dépêchez-vous. Hein? Non, je rigole. Oh mon sang. T'imagines pas... Mais tu vas te toucher. Bonne chance. T'as un Ptera avec toi, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'amène le Ptera à l'intérieur. Ah bah c'est bon, tu peux le faire. Bien sûr, attends, t'as cru que c'était qui toi, de citron? Je lui balance des tartes au citron. Allez, on y va. Non, ça par contre, non. Ah c'est mon bébé ça. Attends, on va le reculer. Je crois que ça gêne. Ah. Allez Pika, j'ai l'air de la guerre. Oh, on a dû prendre des tam-tams. On va le mettre là.
On en a combien en tout, tu m'as dit? 15. C'est chiant que ça fait ça. Ah mais c'est parce qu'il a pas de sel, c'est pour ça que je peux pas monter dessus. Oh non. Bon sang. Attends, je vais prendre la selle de lui du coup. Je peux aller à la maison chercher une vite fait hein. Oui, c'est faux. Bon, c'est sur les repro. C'est que c'est juste un T-Rex. Attends, là le plus chiant voilà ça va être là. J'arrive à les caler entre les deux. Voilà. Aïe. Tu bugs avec tes têtes. Tac. C'est où j'y arrive. Il y en a d'autres. Ouais. Caler les biens entre les deux à chaque fois. Tac. Garde-le. Tu as que ça. Attends, j'ai rajouté de la vie donc je le up. Si tu le mets derrière, c'est bon, il va pas mourir. Hein. T'es vert. Oh. J'arriverai pas à caler. Allez, cerise. Encore une charge de cerise. Encore une charge de cerise. Et c'est tout. Oh, mais attends, là, y'a un petit souci là. Oh le pachy dégage. Bah mange le hein. Attends. Passive tout le monde. Non, non. Ça fasse pas n'importe quoi. Faudra qu'on la remette juste après le mode pour changer. Parce que je les ai mis en passive. Ok. Ok. Donc ça c'est bon. Ok. Pareil. Il va falloir que je recule. Tac. Normalement il est pas mal de bon. Ouais c'est bon. Mais pareil, je vais essayer de mieux le ranger comme ça. La limite, c'est vrai. Tac, 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 tac. Là, c'est bon. Ok, normalement le Yuti, si tu le bloques de cette façon là. Faut mettre la viande dans Bobby. Ouais, ouais, attends. J'y vais. Attends, pour être sûr, non, peut-être pas la caler comme ça. Peut-être le caler comme ça le Yuti. En travers, comme ça sera plus facile pour toi. Ouais, je pense que ça sera plus facile. Bah, ça m'a l'air d'être bon. Alors, n'oubliez pas que j'ai sifflé en neutral. Hein. Attends, lui par contre. Non, passif. Là... passif, oui, excuse-moi. Ouais, ouais. Et par contre, lui, je vais enlever le sifflement de tout le monde. Comme ça, quand tu vas le siffler les autres, il te suivra pas, Bobby. Pas la même erreur que j'ai fait précédemment. Je chasse pareil pour Yuti, du coup. Je pense aussi, ouais, parce que la dernière fois, quand elle a sifflé, je me suis fait éjecter de Bobby et Bobby commençait à vouloir partir. J'avais juste le réflexe. Activé, moi, ok. Thank you.
Et vous me dites quand c'est ready. Je peux aller faire pipi? Oui, vas-y. Vas-y. Bah attends, je vais enlever mes habits du coup. Bon, moi, la seule fois où j'étais resté debout sur mon animal, ça marchait bien. Ouais. Je l'ai fait la dernière fois, ça m'a éjecté, moi. Ah. Ah, tu t'es mis debout. Ah oui, d'accord, debout, debout, quoi. Pas sur oui, la monture. Sur la chaise. Non, non, okay, pas sur la monture. Oui, oui, effectivement, ouais. Je crois que c'est la seule solution. Et même quand je me suis mis à côté, par exemple, je me suis fait éjecter par-dessus. Oh la cata, quoi. Ah bah attends, je vais remettre citron en neutral. Libellule pareil. Parce que du coup, quand j'ai fait le sifflement, à mon avis... Oh là là, ça m'a fait bugger le... Je reviens. C'est chiant ce bug, hein. J'ai le bug de la roulette. Ok, c'est bon, je suis là. Neutral, c'est bon. Citron est aussi en neutral. Je suis en train de leur mettre des points, ils en ont beaucoup en fait. Ouais. Je mets tout en attaque hein, pour pas perdre de la vie avant le boss. Ça dépend combien de ils ont, ceux que tu mets. Enfin, ceux que tu mets. 52 000. 52 000 HP, ça devrait. Non. Ils vont taper fort. Au moins 50 000 HP, ça devrait. 28 points celui-là. Oula, mais il a des PV lui au moins. Il a que 26 000 hein. Non, 34 000. Je suis dessus là. Bah moi, celui que je regarde, il a que 26 000. Ah ouais, mais je suis sur celui-là d'à côté. Ouais. Le 26 000, bah tant pis, je pense que lui, il va mourir sûrement dans le fight. À part si les Rex arrivent à faire reculer le gros singe. J'ai bien fait de faire un tour. C'est toi le gros singe. Non mais attends, non mais ça va pas la tête. Georgette! Ah, c'est Georgette ce soir. Bon, eh bah, je crois que c'est bon pour moi. Ça a l'air d'être ready. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. C'est bon, je suis mon Yuki, je suis prêt. Ok, donc c'est le Mega Pitek. Oui. Bêta, on est bien d'accord? Oui. Oui, c'est le bêta là qu'on fait. Oui, 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 pardon. Oui. C'est... Non, mais c'est pas grave. C'est parti! Non, je veux plus y aller. T'es trop tiens. Non. Non. Je me couvre. Il est de dos. Ah vite, on a chaud là. Ok. Hop, tout 10 survivors. Un de 21. Ah oui, d'accord. Oui, t'as le droit à 10 joueurs, mon grand max. Ouais. D'accord, tiens. T'as mis le sifflement sur les dinos? Pas encore. Ok. Ok, ça se passe sur la droite. Un petit peu. Et j'ai sifflé. Ok. Faut que tu fasses le sifflement all pour qu'ils te suivent tout le monde. Ouais. Me suivre tous. Bien joué. C'est parti, attention à vous. Vas-y, vas-y. Il est en haut, il faut que tu montes les marches. Allez, Bobby! Il est content, Bobby! Il est tout content! Et attends, je débile! Salut! Waouh! Il m'a mis en 2000! Mais tout le monde est pas là aussi! Bah ouais, je sais, c'est. J'ai activé mon pouvoir. Yep. Il prend très cher. Bon, j'encaisse dur, dur. Il est déjà mis de life. Oh, il va mourir dans pas longtemps. On en a perdu un, non? Non, pas encore. J'ai eu un message rouge. Ah. Mais très rapide. On regardera après. Et c'est la fin. Hein. Ok, bien joué. Ah, c'est qu'ils doivent tuer les. Attendez, je vais récupérer les éléments là-bas. J'arrive. Si on oublie les éléments, ça va pas le faire. Hein. Oh non. Non, on a pas eu de mort. C'était quoi le petit message rouge qu'il y avait?
Bah je sais pas du tout. Je regarde les logs mais j'ai pas de mort. Ok bon bah tant mieux. Bon, juste de dernier log c'est le baby Megalania. Ouais c'est tout. Ok. Moi je vois des trucs étranges des fois. Trop bizarre le jeu là ce qu'il fait. On fait un tour des règles quand même avant de relancer. Ah ouais, mais t'inquiète pas, ils ont pas l'air très abîmés hein. Non, je crois qu'ils ont pratiquement rien pris en dégâts. Je suis en train de faire le tour, mais non. Alors, tu fais le moins le malin maintenant? Hein? Eh oui, Bobby. Eh oui, fais le tour. T'as raison, Bobby. Je suis mieux que. C'est beau. Et tu content, Bobby, regarde. Avec son bonnet de Noël. Bah oui, tu mets son petit peu. Et dis-toi qu'encore ça axe là, c'est l'ancienne génération. Parce que si on faisait ceux de la nouvelle, là, laisse tomber. Oh, je n'avais pas maintenu depuis tout à l'heure sur moi. Oh bah super. J'étais à deux doigts de mourir. Oh. T'es mort comment? Bah du froid. Mais par le boss, non. Par le boss, juste du froid. Ouais, j'ai vu. Bon, on va s'amuser à remettre tout ça en ordre. Alors en vrai, ils sont super bien rangés, mais nous on est bloqué quoi. Ouais, vous êtes pas bien. Attends, si je recule celui-là. Ah bah oui, ils se sont remis. Ok. Alors attends, Zozo. Il faut que je renlève ma tenue, sinon je vais mourir avec les dégâts de la chaleur. Est-ce que t'arrives à sortir là du coup? Non. Non, c'est lui qui te chie. Ah bah oui, t'es dans. Imprégné dans lui. Alors attends, ce que je vais faire, c'est je vais les reculer un par un. Prenez ceux qui sont sur les côtés que vous pouvez déconcer direct. C'est bon, je l'ai mis au max. Mais bon, dis-toi que là, on fait l'alpha, après c'est fini, donc tu vois ce que je veux dire. Oui. Même si on en perd, c'est pas grave. T'as plus besoin des Rex après? Si. Non. Il faudra juste garder les meilleurs. Je sais qu'ils vont sortir vivants, les 50 000, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je pense qu'on va peut-être l'utiliser pour la Cavtech. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Alors pareil, il y en a plusieurs, il y en a qui sont de la vieille école, ils mettent pas d'armure, d'éléments, machin, ils y vont vraiment en mode bourrin. T'en as d'autres, ils préfèrent quand même mettre des armures tech sur certains, tu vois. Plusieurs écoles. Bah, c'est... Ça fait partie du truc, enfin, je veux dire. Oui. Donc, normalement, si tu fais les boss classiques, c'est pour ramasser les éléments nécessaires pour pouvoir fabriquer des choses pour faire la Cavtech plus facilement, en fait. Bah ouais, c'est le but, quoi. C'est normalement, c'est censé être comme ça. Hello, Max. Attention, je parle en PVE parce qu'il y en a, ils vont me reprendre par rapport au PVP, mais moi, je parle du PVE. Oh là, j'ai du boulot là. Après oui, pour le PVP tu fais les armures tech, tu fais les armes tech pour bah, tuer les autres joueurs quoi. Bobby me tue avec son casque de mineur, c'est le casque de mineur quand même. Sur son Rex. Le Yoti il a besoin ou pas? Non. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas l'impression qu'il soit dans le mal. Je suis allé voir. Normalement, moi j'étais tout derrière, je pense pas que j'ai eu de problème. Je crois qu'il a rien eu. On s'est même pas fait toucher par les psys. Bah. Oh. Ah, j'ai sauf. Youyou Titi. Oh non, il a 4006 sur 4008. 2000 HP. Je le remets à fond parce que c'est un 50 000, presque 50 000, ce serait bête de le perdre. Il manquait 10 000. Hein. Yuti avant que tu le perdes. Non mais je parle pas du Yuti, je parle du Rex. Ah ouais là par contre ouais le Rex oui. Je sais pas, je vais avoir assez de viande. Et hey, Bubi. Bubi il est en train de manger tranquille. Heureusement j'ai monté sa barre de nourriture à fond. On était sûr de toute façon. Je me suis dit je mets jusqu'à 49 000 HP et après je mets tout dans la barre de fin. Je regarderai plus tard quand même s'il n'y a pas une astuce pour faire monter sa barre de fin rapidement au Déodon. Mais je pense pas qu'il y ait de solution. Le seul truc que je sais où il y a une solution c'est les terries où tu donnes des gâteaux pour faire monter 500 HP pour chaque gâteau je crois.
petite photo. Le bras levé. Bobby, tu veux manger un œuf? Il y en a deux là qui traînent. Dis les bois. J'ai fait rien de bien. Tu sais, les œufs ils sont plus gros que son personnage. Ah, mais carrément, il peut se cacher dedans quoi. C'est pas vrai, ça rote de mon ventre, j'ai un vrai ovipare moi, monsieur. Je vais juste remplir ma gourde vite fait, j'arrive. Ça marche. Parce que là, ça va pas le faire. Je vais pas avoir assez de viande. Ah bah non, les billes. J'en ai un peu dans vos vies, moi, si tu veux. Il faut que je regarde aussi un peu pour moi, sinon je vais mourir. Il y en a dans Bobby, sûr. Ouais, mais. Là, je donne de la viande cuite, là, ça pue. Ouais, je me doute bien, mais bon, là, j'ai de la viande cuite, si tu veux. Oh, il y a une reine des abeilles, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça arrive des fois qu'elle bouge. Ça peut arriver. Marrant, ça. Ouais. Je suis deux, oui, ça fait de la viande. Oui, oui, oui. T'inquiète. Je vais quand même regarder un petit peu pour moi. Il vaudrait bien, oui. Enfin, il vaut mieux. Ah bah tu gagnes un point en plus, moi tiens. Tu vas taper plus fort. Et hop. En vrai, tous les dunos qu'on a fait, ils étaient bons, hein. Oh oui. C'est incroyable. Hein. Tu sais qu'avec Bob on a croisé plein d'alphas. Oh oui, plein d'alphas. Bah maintenant partout. Oui, il y en a plein maintenant, oui. Oui, maintenant oui, bah oui. Il y en a partout. C'est bien. Tu veux bien me donner de la viande, Poig? Une fois qu'on a fini. Oui, j'arrive. Oh, j'en ai peut-être pas récolté beaucoup. Hein. 121. Ah. Ouais, bah, c'est pas ouf. Dans celui-là que je suis, là, j'ai presque fini, il me reste 2000. Ouais, rougeâtre, bah, c'est lui qui a tout pris. C'est de la crue, hein. Oui, bah, c'est pas grave, hein. Ça fera affaire. Ah, oui, bah, allez, elle est bien, là. Presque. Mais, presque... Non, mais c'est un alpha, donc je préfère la mettre à fond, en fait. Oui, 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 oui. Je comprends. Elle a combien d'HP? Là, 57 je suis sur 58. Elle tombera jamais. Franchement, on aura 3 ou 4 comme ça pour plus tard. Aïe aïe aïe, on va être bien. On va être bien, tété. On va être bien, tété. Ouais, parce que je pense qu'on va on les amènera dans la cave tech avec grand plaisir. Cave tech, c'est pareil, hein, n'oubliez pas, c'est gamma, bêta, alpha. D'accord. On en fait le tour des autres parce que moi j'ai plus de viande, je peux plus rien faire. On a fait tout le tour déjà. Des bons. Ouais, ouais. Après le peu qui restera, que... t'inquiète pas, le déodon il va heal, hein. Donc ils vont régénérer. Ouais, j'arrête là, je me garde de la viande. Ouais, garde. Bon, pas de risque. Elle est presque pleine. Ça va, je prends où mon Yuti? À côté sur ma droite. Vers nous. Ok, faut que je le mette où? Derrière? Comme tu veux, là où il y a de la place, où t'es sûr de pas pouvoir te faire éjecter par exemple par la queue ou la tête des Rex. Ouais. Ça m'est arrivé dans un épisode, vous allez le voir. Je passe au-dessus de la tête des Rex, c'est ouais. C'est la panique. Oh. Tu m'étonnes. Ouais, là t'es pas trop mal. Bon, j'ai 37 000 sur 49 000 en food, ça passera. Ça passera. De toute façon, ça va parce que ce boss là, en fait, il est dans son coin plus loin. Donc, on a le temps de. Oui. Vous avez le temps de vous écarter et moi de prendre le suivi. C'est ça. Mais tu dois peut-être marquer un temps d'arrêt. Oui, là, je vais pas courir. En fait, j'ai couru jusqu'au boss. Ouais. Mais ça passe, hein, t'inquiète. Il court pas. Oui, non, là, c'est passé, mais en alpha, ça risque d'avoir plus de répercussions. Oui. Je me mets debout. Alors, voilà. Megapitech Alpha, on est bien d'accord. Hein.
Oui, c'est parti. Que je me trompe pas. Let's go. Je mets mes habits. Moi aussi, ce que je suis en train de faire. Allez, Bobby, c'est la vieille PC, t'inquiète pas, cours, et passé, écoute, t'es Dieu. Félicitations, tu Wood, félicitations. Tambour, hop là, avant de commencer. Hop là. Oh yeah. Et tu beau, Bobby, avec son bélier de haine. Ouh. Ça se passe derrière Bobby, encore, il va être fou. Ouais, j'arrive. Hop. Écoutez, maman, tu le bouges. Agressif, oula. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait un demi-tour chelou qui m'ont fait peur. C'est rien, c'est bon, t'inquiète pas, ça passe. C'est bon? Oui, oula. Wow, il faut vite avancer, faut vite avancer, sinon il va nous faire tomber de la des marches. Ouais. Remarque, ouais, t'avais mieux fait tout à l'heure d'avancer direct. Hein. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, ça le fait. Enfin, j'espère. Oh, il y en a qui vont tomber. Eh oui, voilà. Eh oui. Ah zut, pas bon, t'aurais ça, dû pas mieux. Bon. Ouais. Ça, j'avais complètement oublié et t'avais raison. Oh. Pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, mais les pierres comme ça, ça fait chier. Eh ouais. Ah, oh, je m'en doutais. J'avais un doute. C'est vrai que je me disais jusqu'à présent, on a eu de la chance de pas tomber dans les escaliers en fait. Bah oui, c'est parce qu'on avait avancé à chaque fois. C'est pas grave, ça passe. Bien joué. Ah, on a un autre qui est tombé, zut. Ouais, on est au moins au quatrième là. Là, je peux plus heal. Ok. Ça va le faire. Attention à toi, Popoul, de pas tomber. Hein. Ouais, je check. Ouais, la prochaine fois, ceux qui veulent faire, foncez directement, ne cherchez pas à comprendre. Ok, let's bien joué. Go. Je vais prendre les trucs. Et jusqu'à présent, je me dis, on n'est jamais tombé au fait de. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, ici on peut tomber. Et pas du tout, ouais. 220 éléments. Wow. Ouais. Excellent. Ah ouais, ils sont tombés là, bah ouais. Oh la vache. En vrai, ils sont pas morts du boss. Non, ils sont morts. On en a perdu aucun. Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, ceux qui veulent le faire, prenez direct, cherchez pas à comprendre, vous foncez directement dedans. C'est le mieux. Qu'est-ce qu'il fait, Zozo? Il essaie de taper le. Le boss qui est par terre. Je suis déçu du drapeau à chaque fois là. Ils auraient pu faire un drapeau. Alpha, tu vois, enfin un truc bien rouge. Au revoir, Timoud! Salut! On a perdu qui de tout ça? Je crois qu'on a perdu des bombes en plus. Hein. Ouais. On regardera après, nous fais attention. On a perdu un 283, ouais. 282. Oh non, ouais. Lila! Ouais. Oh, et... elle était bonne, elle et en ouais, plus! Ouais. Non! Quand j'ai vu le message rouge et que j'ai vu au bord d'escalier, je me suis dit tout le monde va tomber. C'était ma grande frère. Je croyais qu'il avançait pas en fait. Si. On en a perdu 4. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, objectif accompli. Let's go. Vous voulez remettre doyer Popo Keboy. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là les amis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Merci à vous tous les amis. Et effectivement, on a réussi à faire le Megapithecus en bêta et en alpha. C'est vraiment très important, ceci nous permet déjà de récupérer des éléments, mais également les trophées qui vont nous servir pour la cave tech. Je vous rappelle qu'il faut pas mal d'objets, bien évidemment, pour ceci, que ce soit en gamma, bêta et alpha. Mais on n'en est pas encore là, et en tout cas, les amis, donc on a réussi. La seule erreur qu'on a pu faire, et je pense que vous l'avez remarqué, effectivement, quand on affronte, par exemple, le Megapithecus, moi je vous conseille vraiment, dès le début, lorsque vous spawnez, de foncer directement sur le boss, c'est-à-dire de pouvoir monter au niveau des marches et passer cette étape-là. Comme ça, vos dinosaures ne tombent pas des escaliers, et surtout, ils ne tombent pas dans le fameux trou et il ne meurt pas du coup de chute tout simplement. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, très important, le petit pouce bleu de la famille si vous avez aimé, commentez pour dire ce que vous en pensez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment activez la fameuse petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe, et je vous dis à la prochaine.